Bon, quoi de neuf les gars? Bon, c'est parti pour une petite session silure. Bon, j'ai mon ami Rachid là qui va faire le caméraman. Je le remercie. Bon, on a repéré avec Rachid un beau petit silure, un beau spécimen là, qui traîne là, dans la cascade. Il faudrait essayer de faire un lancer parfait pour le toucher. Parce que si on passe à côté, c'est pas bon. On pourrait le faire fuir. Allez, on a préparé le gros 1-up 10 pouces, la tannerie au Red Fight, et let's go les gars. Bon Rachid, qu'est-ce que t'en penses? On va l'avoir ou on va pas l'avoir? J'espère hein. Premier passage, non. Ouais. Magnifique. C'est pas beau ça. Prendre après avec le téléphone. Tu vois, on n'a pas eu celui qu'on a vu, ouais. Mais on a touché un autre qu'on n'a pas vu. Il était beaucoup plus au fond. Ouais, c'est vrai. C'est plus près celui-là. En mode commando hein. Il va vers là-bas. On peut sortir en chute. Ouais, nickel. Regarde, ça glisse hein. Ouais, t'inquiète. Prends du pile hein. Prends du pile. Il est comment tu penses? Eh, du coup l'autre il sera pour toi hein. Déjà j'aime beaucoup là, tu sais, quand ils restent au four comme ça, ouais. Donc on n'arrive pas à les faire monter, en général ils sont plus ou moins gros. Là, ce qui est important c'est de ne pas le laisser partir là-bas, parce que s'il part là-bas après c'est difficile de le ramener. Tu vois, c'est ce qu'il veut faire hein. Ouais. Parce que s'il passe derrière la ligne là-bas, tu peux plus le remonter, c'est terminé. Il va se donner une position un peu plus... plus facile pour manœuvrer. Allez, on va commencer à pomper. Là on est bien ici. Ouais, je pense. On est bien. Et on n'a pas besoin de crier. Tu sais, ces bruits de cascade, on s'y habitue jamais. C'est comme le Mistral. Mais la brutalité de la touche. Ah ouais, c'est ce que j'aime dans le silure. Il est pas loin. Non, il est juste là. Il est juste devant.
là là. Ah ouais. Il est pas gros. Hein. Il est pas gros. Je crois que c'est le plus petit que j'ai attrapé là depuis certains temps. Tu vois, c'est plus, il fait même pas 2 mètres, je crois. Il fait même pas 2 mètres. Tu es devenu compliqué toi quand même. Elle a lancé un silure, tu n'es pas content. J'ai pris de mauvaises habitudes moi. Franchement. Tu vois, c'est ce que j'expliquais sur mon montage, regarde. Tu vois le montage, t'as le fil qui est à l'intérieur, t'as le leurre qui est à l'extérieur. Ouais. Tu vois, t'as le triple à l'intérieur, le leurre à l'extérieur, du coup tu vois ton leurre il morfle pas là. On va attendre qu'il se fatigue un peu. Ouais. On va le récupérer. Tu vois, je te dis qu'il fait pas 2 mètres, mais je pense qu'il est fait. Tu t'es débrouillé comme un grand? Oui. J'ai fait ça avec des 2m50. C'est ça qui ouais, est beau. Il est fait les 2 mètres. Hein. Elle est fait? Ah oui, largement. Ouais. Ah oui. Il est fait les 2 mètres. En tout cas, il est large. Ah, il est fait. Il a une grosse tête. Hein. Et voilà, un silure pêché en live. Elle a lancé un silure. Bon, je vais pas dire pêché à vue parce que on n'a pas touché celui qu'on a vu. Non, c'est vrai. On a touché celui qu'on n'a pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Là, t'as vu ça, regarde. Je te disais le montage, regarde, t'as le triple à l'intérieur. Voilà. Il est belle couleur. Hein. Il est beau, c'est beau par rapport. Parce que l'eau elle est claire. Quand t'as la durance est claire, t'as justement, ils ont ce mimétisme. Ils ont cette couleur particulière. En général, plus l'eau est claire et plus les silures sont foncées. Et plus l'eau est sale, plus les silures sont claires. Alors on va le décrocher. Ouais. Et Allez. Yeah. Pas demander son reste. C'était plus rapide. Hey.